Alors, une rumeur qui prend de l'ampleur, Abu Dhabi serait menacée à cause du conflit actuel au Moyen-Orient. Les instances seraient en pleine réflexion sur la question et une décision doit être prise avant ce week-end pour des raisons logistiques. D'accord, donc c'est très bizarre. Alors, si le Grand Prix d'Abu Dhabi est annulé, ça voudrait dire que Las Vegas est la dernière course du championnat et que du coup, Pérez a encore plus de chances de finir deuxième au classement pilote. Pourtant, bon, Abu Dhabi, c'est assez loin de ce qui se passe à Gaza et en Israël, donc. En termes de kilomètres, c'est assez étonnant. Bon, écoutez, on va suivre ça, je vous tiens au courant, évidemment. Ce serait dommage quand même que ce Grand Prix soit annulé. Mais bon, s'ils préfèrent jouer la sécurité. Bon, après, on rappelle quand même que l'année dernière, ils ont roulé alors qu'il y avait des missiles qui étaient tombés à Jeddah, pas très loin. Donc, bon, ça me fait un peu rire, hein, quand même, quand ils parlent de sécurité, là. Bref, c'est une info étonnante, en tout cas. On va voir si ça se confirme ou pas. On va le savoir très vite. Donc, qu'en pensez-vous? Abu Dhabi annulé ou pas? Ciao.